Vous êtes repérés, poussez les soldats du haut des toits ou dans le décor pour ensuite leur échapper plus facilement. Thank you.
Absolument, tous les droits. Aidez-moi ! Je vous en prie, j'ai besoin d'aide ! Ne reste pas là. Ah ! Qu'est-ce que tu veux ? Méfie-toi. Vous ne m'avez pas vu ou quoi ? Ne reste pas là. Compte faire. Pas mal finir. C'est très bien de trouver un garde rapidement. Qu'est-il arrivé à ce malheureux ? C'est de mauvais augure. C'est un lâche. Si ce n'était pas pour l'argent, je serais déjà parti. Tu es soit stupide, soit aveugle. Peut-être les deux. Comment peux-tu dire ça ? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Si, j'ai tout vu. Notre caravane a été attaquée, et lui, il a pris ses jambes à son cou. Non, il ne s'est pas enfui. Mais de quoi parles-tu ? Tu as oublié comment on finit ceux qui nous ont attaqués ? Nos archers les ont terrassés, grâce à Dieu. Pas nos archers. Lui, tout seul. Tu veux donc dire qu'il nous a sauvés ? Oui, il a gagné les hauteurs. Il les a tous tués avec son arc. Je ne le savais pas. Cet homme est un maître archer. Essaye de ne pas l'oublier. Oh non, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Fais tes prières ! Tuez-le ! Il ne s'en sortira pas ! Je te déconseille fortement de recommencer. Il ferait bien de se tenir tranquille.
vu quelque chose? Venait à prendre Jaffa, alors plus rien ne pourrait l'arrêter. Il va bien parler. Qu'est-ce qu'il a? Il a le garde à tes trous, c'est quoi? Si les gardes ne font rien, il est de notre devoir d'agir. Ta proposition est insensée. C'est la seule solution. Combien de personnes devra-t-il enlever avant que le peuple ne réagisse? Nous ne sommes pas concernés. Pas encore. Mais si nous ne faisons rien, nous ne tarderons pas à l'être. Mais qu'est-ce que tu suggères? Je l'ai bien observé. Je sais exactement comment il organise son trafic. J'ai tout indiqué sur une carte. Tous les jours, à la même heure, il inspecte ses marchandises. C'est à ce moment-là que je compte agir. S'il te repère, ce n'est pas un morceau de papier qui va te sauver. Cela ne te protégera ni de leur épée, ni de leur flèche. J'espère bien ne pas en arriver là. Mais un risque que je dois prendre. Souhaite-moi bonne chance, mon ami. Ça, mon ami, tu en auras besoin. Allez-vous-en et je vous laisse en vie. Qu'il est poursuivi par quelqu'un. Maudit soit-il! Maudit soit le roi chrétien et son armée d'infidèles! Les hommes agissent contre la volonté de Dieu! Ils méritent un châtiment exemplaire! Partout où ils passent, ils sèment la terreur! Ils disent que c'est une croisade! Une croisade pour toi, meilleur. Malik. Tu vas encore me faire perdre mon temps? J'ai trouvé Talal. Je suis prêt à accomplir ma mission. Cela, c'est à moi de le décider. Très bien. Voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines, enlevant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane, au nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal? Écoute-toi, quelle arrogance! Nous en avons terminé? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris? Non, mais je m'en contenterai. Repose-toi et prépare-toi à ta guise, comme tu le fais habituellement avant un travail, mais fais-le discrètement. Avance rapide vers une séquence plus récente.
Les voleurs de votre espèce doivent être punis. Ayez pitié de moi. Je suis un vieil homme. Et tu n'as rien à faire ici. Fiche le camp. Qu'est-ce que tu veux ? Dieu n'existe pas. Je vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte ? Hé ! Ton visage est familier. Garde-toi de moi. Gabel, Javier ! Kime boyuna emek istiyorsun? Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Il y a un meurtrier en liberté. Oh non, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il a fait à la loupe ? Le monde, je vous le demande. Quoi ? Qui a fait ça ? Parlez ! Que s'est-il passé ? Où es-tu ? Je sais que tu n'es pas loin. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Quelques pièces. C'est tout ce que je demande. Vous ne comprenez pas ? Je suis pauvre. Et parce qu'à vont nous venger de leurs actes barbares. Priez pour que Dieu, exalté et glorifié soit-il, nous entende et nous accorde la victoire. Ne reste pas là. Soyez prudents, mes amis. Shaitan est partout. Il attend, il observe, il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme Salah Adin et armons-nous du mieux. Alors, marchand d'esclaves. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne cherche qu'à les aider. Tout comme on m'a aidé. Tu penses leur rendre service en les emprisonnant ? Ils ne sont pas prisonniers. Je garantis leur sécurité et je prépare leur avenir. Quel avenir ?
Une vie de servitude? Aidez-moi! Tu ne sais rien. Sauvez-moi! Quelle folie de t'avoir fait venir ici. De penser que tu comprendrais ce que tu y trouverais. Je ne le comprends que trop bien. Montre-toi! Tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici. Tu déraisonnes. Personne ne m'a poussé à venir. Vraiment? Qui t'a ouvert la porte? Qui t'a dégagé la voie? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes? Non. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi. Alors viens dans la lumière, et je t'accorderai une dernière faveur. Voilà, je suis devant toi. Que puis-je faire de plus? Eh bien, descends, et réglons cette affaire entre hommes d'honneur. Pourquoi toujours recourir à la violence? Il n'y a rien que je puisse faire, car tu ne sembles pas vouloir coopérer. Je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail. Une seule solution, tu dois mourir. Voilà ce qu'il en coûte, offenser. Ne peux pas fuir. Partage tes secrets avec moi. J'ai joué mon rôle. La fraternité n'a pas besoin de me tuer pour continuer d'exister. Quelle fraternité? Al-Mualim n'est pas le seul à avoir des vues sur la Terre Sainte. Je ne t'en apprendrai pas plus. Nous en avons fini. Tu peux demander pardon à ton Dieu. Il a existé. Il nous a abandonnés. Et les hommes et les femmes qu'il a délaissés. Je les ai pris sous mon aile. Que veux-tu dire? Mendiants, catins, drogués, lépreux. Ce ne sont que des esclaves pour toi, incapables d'accomplir même des tâches mineures. Non. Si je les ai enlevés, c'est pour les sauver. Et pourtant, tu nous tuerais tous. Pour la simple raison qu'on te l'a demandé. Non, tu profites de la guerre, de toutes ces vies brisées. Voilà ce que tu penses dans ta grande ignorance. Tu fermes. C'est ce que tes semblables font de mieux.
Vois-tu l'ironie de la situation? Non. Il semble que non. Cela viendra. Altaïr, heureux de te revoir parmi nous. Comment s'est déroulée ta mission? Elle est terminée. Talal est mort. Oh, je sais, je sais. En fait, toute la cité le sait. As-tu oublié ce que le mot discrétion veut dire? Un bon assassin doit faire en sorte que ses actes soient connus de tous. Non, un bon assassin doit garder le contrôle de ce qui l'entoure. Nous pouvons nous quereller sur ces détails, Malik. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al-Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme, et voyons à qui il donnera raison.